j'ai mis corazon. Un flash de vodka pour la sensation. Je reste tout seul même si j'ai des relations. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la série. Chez équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du vendredi, c'est la première du week-end. Bah l'équipe, comme d'après cette vidéo sur Rue 53 sort aujourd'hui. Ouais, comme d'habitude, on va pas changer de concept, je vous casse pas plus les couilles que ça. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, on commence avec tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette première vidéo actu du vendredi, on a Benjamin Epps qui a remporté le trophée du meilleur flow international au Bet Hip Hop Award. Donc vraiment félicitations à lui, parce que ouais, je crois que c'est un des premiers français à avoir ce trophée là. Ensuite, il y a Gims qui a annoncé la sortie d'un nouvel album qui va s'appeler LDVM. Et en gros, ça veut dire les dernières volontés de Mozart. Et ça sera disponible le 2 décembre, l'équipe. Ensuite, il y a Booba qui a piqué Niska par rapport à la taxe sur le rap, que Niska il avait réagi. Et on peut voir qu'il a publié deux photos de Aya Nakamura, et c'était pendant le clash entre Niska et Aya. Et on peut voir que Booba il a écrit « Niska, par contre toi, ni les autres, on t'entend jamais quand il faut défendre le peuple, de vraies causes ou de piraterie. Quand t'as frappé Aya, j'ai su après, t'as appelé qui pour faire médicaments et faire diversion, hein? Viens pas faire le militant maintenant. » Point d'exclamation. Et ouais, pour le coup, ouais, là, il pique clairement. Et juste après, Booba, il a réagi par rapport à ce délire de taxe sur le rap. Comme tu peux voir, il a écrit « Taxe, 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 taxe. » Trois petits points. En gros, ouais, il n'est pas du tout d'accord avec ça, tu vois. Ensuite, on a BFM qui ont publié un article par rapport à Booba. Et on peut voir que c'est écrit « Instagram refuse de rétablir le compte de Booba, malgré une décision de justice. » Donc en gros, ouais, comme on a parlé il y a quelques jours, Booba, il devait récupérer son compte. Puisqu'il a gagné justement ben, son procès contre Magali. Sauf que ben, Instagram, il refuse de le rétablir. Donc voilà. Et on peut voir qu'il a écrit « C'est le refusé » avec plusieurs smileys morts de rire. Ah non, avec un seul. Ensuite l'équipe, j'ai pas publié de vidéo hier puisqu'en fait j'étais à Paris. Donc cette vidéo, je la tourne, il est 4h40 du matin l'équipe. Pour la publier à midi. Pour qu'ensuite je fais ben, celle du soir, t'as capté. Enfin bref, et ben, je viens de tomber sur une affiche de Kerchak et c'était pendant que j'étais à Paris. Et j'ai appelé le numéro de téléphone. Et je viens de recevoir un SMS qui m'a dit « Jure, t'as envoyé un message, t'es un bon, on s'attrape demain à 18h sur mon site. » Kerchak9b.com. Et quand tu cliques sur le lien, ça t'envoie sur son site. Et c'est tout simplement la sortie de son album. En gros, il annonce la sortie de son tout premier album, qui sera disponible le 4 novembre 2022. Donc voilà l'équipe. Et il s'appellera Confiance, si j'ai bien suivi le délire. Ensuite, on a RK qui a sorti un nouveau projet. Et il est actuellement disponible. Et il s'appelle Mentalité Partie 1. Et il y a plusieurs featuring dedans, avec Kobalade, Guide Besbar et Mig. Donc voilà. Et comme c'est la partie 1, je pense qu'il y a plusieurs parties qui seront prévues. Ensuite, là, c'est vraiment un truc de fou. Il y a Leto et Guide Besbar qui ont annoncé la sortie d'un album en commun qui sera disponible le 11 novembre. Et l'album, il va s'appeler Jusqu'aux étoiles. Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai parlé d'Aya Nakamura qui sera dans Fortnite. Et je vous ai dit que ça se passera le 6 octobre. Et ben là, ils ont publié une vidéo et en gros, on voit le personnage de comment elle va ressembler dans Fortnite. Et franchement, la ressemblance est frappante. C'est un truc de fou, regardez. Aya, on est prêt dans 2 minutes. Allez, on va y aller. Ensuite, il y a Oumar Gino, le manager de Gino, Slacrim, etc., qui a réagi par rapport à l'attaque sur le rap. Comme tu peux le voir, il a dit « Honteux, Madame la ministre, Rima Abdoulmalek, cessez ça vite, vite, vite. On a lutté pour obtenir ce qu'on a aujourd'hui. Et maintenant, vous voulez nous le reprendre avec une taxe ?» Point d'interrogation. Et pour le coup, il a pas tort et c'est vraiment vrai, c'est un truc de fou ce qu'ils veulent faire. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. J'aime ton boulot en pyjama, mais gros t'as tout. J't'ai mon lit à la cama, mais gros t'as tout. Et même quand j'en ai trop marre, mais gros t'as tout. C'est ma voyoumi bendida. J'veux que sur elle rien qu'elle me fait coller. Bon voilà l'équipe, 63 sort aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les couilles trop tôt. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, tiens, référencement, n'hésite pas dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un long commentaire, tu mets un propre là. C'est juste pour référencement. Comme d'hab, je suis déjà sorti pour une nouvelle curseur, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis voilà quoi. Ouais, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus. Tu vois, comme je t'ai dit, je tourne tout le même jour. Donc ouais, c'est vraiment galère pour avoir de l'inspiration tous les jours, tu vois. Enfin bref, peace les gars. Les payages sont barrés, j'ai les crocs comme un macro. C'est pour ma vie, 57 10 ans que je fais cette merde, c'est cadeau. Que des gratteurs sont tarot. Frère Barney, c'est paro. J'ai pas le bonheur, c'est paro. Ça peut te laisser sur le carreau. On fait les choses bien, en discret. Madame Indy, ça vend de la S par les stupes, je suis pisté.
J'ai pas les poches pleines, j'suis vidé. J'ai fumé le joke en détente parce que